Je fais tomber ma déco au passage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo How well do I know my books? De cette vidéo et comme je vous l'ai dit, bah en fait j'ai enchaîné les deux parties, j'ai juste coupé la vidéo parce que sinon ça aurait été trop long et vous savez maintenant que je n'aime pas les vidéos trop longues et en plus l'avantage c'est que ça me fait du contenu pour ma chaîne donc voilà, on va pas en demander plus. Donc comme je vous l'ai dit il y a 15 jours, je m'excuse pour la luminosité et le son, en plus j'ai mal à la gorge donc je dois pas parler très fort, mais comme je me balade dans ma bibliothèque c'est compliqué de mettre le micro. Le principe est simple, donc c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Books with Emily Fox et à la base ça venait de Jessie the Reader, je vous mettrai en barre d'infos, encore une fois, le lien vers la vidéo d'Emily qui vous renvoie vers celle de Jessie et je ne sais toujours pas au moment où je tourne cette vidéo si j'aurais pris le temps de vous traduire les questions et également de mettre en barre, enfin sur la vidéo, le pseudo des personnes qui m'ont donné les coordonnées. Ça dépendra de ma motivation et comme il fait très chaud, très très chaud, c'est pas gagné, mais cette fois-ci, j'ai mon éventail. Donc je devrais pouvoir avoir moins chaud ou pas, je dégouline, c'est une catastrophe. On est début juin, il fait trop chaud. Moi j'habite en Bretagne parce qu'il fait pas chaud en Bretagne et en fait, il fait chaud. Bref, on y va tout de suite pour les 12 autres questions, sachant que le tag original fait... C'est bien les éventails. Le tag original fait 27 questions, mais j'ai dû en supprimer 3 parce que ça concernait des hardcovers que je n'ai pas dans mes bibliothèques, parce que je n'aime pas les hardcovers. Donc, du coup, c'est descendu à 14 et j'ai divisé la vidéo en 12 questions. Les coordonnées m'ont été données par vous sur Instagram, donc je vous remercie énormément d'avoir joué le jeu. Et on y va, du coup, pour les 12 autres questions que je traduis au fur et à mesure, donc soyez indulgents avec ma traduction. Question numéro 13, coordonnées numéro 13, elles m'ont été données par Morgan Westville, donc c'est le deuxième coordonnée de Morgan et c'est 2-16. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. 16, 16, 16. Je vais tomber les marque-pages au passage. Il y a trop de choses sur mes livres, je sais pas vous, mais il y a trop de choses sur mes livres. Alors, 2-16, 2-16, 2-16, 2-16. Sans regarder, est-ce qu'il y a une book description au dos? Bah oui, parce que c'est un roman de Milady, donc il s'agit de Protection rapprochée de Jane Seville, et il y a le résumé au dos. Donc oui, sur celui-là, il y a un résumé au dos du roman. Je crois d'ailleurs que sur tous mes romans, il y a des résumés au dos du roman, vu que j'ai pas de hardcover. Mais bon, sur celui-là, il y en a. Coordonnées numéro 13. Hop, et je crois qu'on va passer sur la dernière page de questions. Donc, coordonnées numéro 13, qui m'ont été données par Loïc. Il s'agit de 12-27. 12, c'est de l'autre côté. Il y en avait 15, donc 15, 14, 13, 12. 27, il n'y a pas 27. Pas quoique, c'est les Sloane Kennedy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bien sûr qu'il y en a 27. Quelle question. Quelle question, surtout quand on a des romans en double. Alors, la question numéro 27, sans regarder, est-ce qu'il y a la photo de l'auteur sur le roman? Non, 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 il n'y a pas la photo de l'auteur sur les Sloane Kennedy, donc pas de problème. Il n'y a pas la photo sur... il n'y a pas la photo de l'auteur sur ce roman-là. Question numéro 14. 14, on y va. Il s'agit des coordonnées données par... Coordonnées données. Loukiar, pardon, et c'est un 10. Quel numéro est-il ? Donc c'est bien un 10 aussi. Hop. Question numéro 13. Sans regarder, est-ce que cet auteur... Sans vérifier, pardon. Est-ce que cet auteur utilise un nom de plume ? Nikki Bennett. Je sais pas. Je sais pas si elle utilise un nom de plume ou si c'est son vrai nom. Je dirais qu'elle utilise un nom de plume parce que dans les MM en général c'est un nom de plume, mais je suis pas sûre du tout si Nikki Bennett utilise un nom de plume. Donc
Bonne question. Voilà, je sais pas du tout. Et donc il s'agit de The Cattle Baron's Bogus Boyfriend. Il était sorti en français, celui-là, chez DSP, et je l'avais vraiment trouvé sympa. C'est un truc avec un cowboy encore. C'était chouette. Bref, voilà, je sais pas si Nikki Jane, c'est son... Nikki Bennett, pardon, c'est son nom d'auteur, ou si c'est son vrai nom. Mais je dirais que c'est son nom d'auteur. Alors, on était où? 12, 13, 14, numéro 15. 15, 15, 15, allez. Hop. Je sais pas, j'ai fait assez de papier, pas comme la dernière fois. Donc, numéro 15, c'est Loukard encore. 2, 24. 2, 24. Faut que je me mette des trucs là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oups. Alors, sans vérifier à quel point de vue est écrit ce livre, est-ce que c'est à la première personne ou à la troisième personne? Et c'est à la première personne, je dirais, coup d'essai. Eh ben non, c'est à la troisième personne. C'est super. Pourtant, je devrais le savoir. Donc, c'est à la troisième personne, c'était Logan. Pourquoi j'ai dit première? Je sais pas. Donc, coup d'essai dès la France, c'est écrit à la troisième personne. J'étais persuadée que c'était écrit à la première, je trouvais que ça donnait vachement mieux à la première. Non, bah non, c'est à la troisième personne, donc c'est moins... on est moins dans les pensées des mecs que je le pensais, mais du coup c'est bien écrit parce que j'ai vraiment l'impression d'être à la première personne. Donc bref, coup d'essai à la troisième personne. On apprend tous les jours. J'ai perdu le compte, donc on s'en fiche, de toute façon maintenant je vais finir, donc je vais arrêter de compter, hein, parce que je sais plus à combien de temps j'en suis. Je suis encore sur Tate et Logan. Donc... coordonnées suivantes qui m'ont été données par Toshokan 6000, donc 7, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle est vraiment sympa, et 13 c'est tout en bas, je suis pas très contente avec toi. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, alors, 13ème question, sans regarder, est-ce qu'il y a des photos ou des dessins dans ce livre? Non, il n'y en a pas. Il s'agit... Je vérifie quand même, mais non, il n'y en a pas. Il s'agit de With or Without You de Zen Reilly, qui doit être le deuxième tome d'une trilogie young adulte que j'avais adoré d'ailleurs. Elle est vraiment très très bien et je vous conseille fortement de la lire. C'est l'histoire de Win et Lennox. Et ils se rencontrent, ils sont au lycée et franchement, il est trop trop bien. Enfin bref, j'avais adoré cette trilogie-là. Et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment à lire parce qu'elle est vraiment top. Donc voilà. Donc il n'y a pas de photos, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de carte, il n'y a rien dans ce roman. Vous ne voyez pas comme ça, mais il n'y a rien, il y a juste du texte. Donc voilà. Et un papier que j'ai perdu parce que je crois qu'on m'a offert. Il m'a été offert par Karine, donc en général je garde les petits mots quand on m'offre les romans dedans. Oh. Coordonnées suivantes. Coordonnées suivantes. Hop. Ces coordonnées m'ont été offertes par Jenny Bienvenue encore. Il s'agit de 1-7. Arrêtez avec l'étagère 1, c'est le Dream Spinner, franchement. C'est pratique parce que c'est numérisé, mais je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je les ai lus. Alors, le numéro 7, c'est Charlie Cochet. Forgive and Forget. Sans regarder. Est-ce qu'il y a une épilogue? Un épilogue. Non, il n'y a pas d'épilogue. Je vais vérifier, mais pour moi, il n'y a pas d'épilogue. Non, chapitre 10, c'est le dernier chapitre, il n'y a pas d'épilogue. Donc, dans ces romans-là, en général, il n'y en a pas, parce que c'est des histoires très courtes, donc il n'y a pas d'épilogue dans Forgive and Forget de Charlie Cochet. J'ai dans le Spinner Press. Question suivante, et vous vous doutez bien que si avant on parlait d'épilogue, on va parler maintenant de prologue. Donc c'est sans regarder ce qu'il y a un prologue dans le livre dont les coordonnées qui m'ont été communiquées par Papillon 30110 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est un manga. Et donc il n'y a pas de prologue dans les mangas, quoique parfois il y en a. On dit 10, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il s'agit du tome 2 de Deadlock. Hop là, pardon, c'est comme ça les mangas. De Deadlock de Saki Aida et Yu Takashina. Il n'y a pas de prologue parce qu'en plus c'est un tome 2. Donc non, il n'y a pas de prologue dans ce manga. Qui était pas mal. Et je crois qu'ils ont jamais fini cette série. Ce qui est dommage parce qu'elle était plutôt pas mal. Donc voilà, il n'y a pas de prologue dans Deadlock. Question suivante. Les coordonnées m'ont été communiquées par Mimi et Sarah, et c'est 13-37. 15-14-13. Il n'y en a pas 37, donc je vais devoir aller dans la salle d'en bas. Et là, il n'y en a vraiment pas 37. Parce que c'est les Lucie et Nox, il n'y en a pas 37. 37. Alors, question 37. Ça, regardez, est-ce que ce livre est signé? Non, il n'est pas signé. J'en ai fait signer des Lafranc, mais celui-là n'est pas signé. Il s'agit de Julien, le tome 2 de Confession. Et d'ailleurs, si je devais en faire signer un, je crois que j'ai fait signer Roby. Mais pas Julien, parce que j'aime pas Roby. J'aime pas Julien, pardon. Je vais juste vérifier. Ouais, la preuve, j'ai fait signer Roby. Mais pas Julien, parce que la couverture, enfin, franchement, il ressemble à rien, quoi. Donc non, il n'est pas signé. Ce qui n'est pas une mauvaise question avec mes bouquins, d'ailleurs, mais celui-là n'est pas signé. Question suivante. Je remercie. Je remercie Eliliot pour ses coordonnées, et c'est 1-12. Encore. Vous avez un truc avec l'étagère 1 et 2. Hein. Franchement, vous arrêtez très vite, les gens. Alors, 1-12. Undercover Boyfriend de Jacob Z. Flores. Loïc, petite dédicace pour toi, même si tu regardes pas cette vidéo. Sans regarder, est-ce que les numéros de page ont un design dessus, dessous ou pas du tout? Il n'y en a pas parce que c'est des Dream Spinner Press et on est vraiment sur l'édition de base. Les numéros de page sont en haut, là. Il n'y a pas, il n'y a rien, voilà. C'est des Dream Spun Desire tout simple, c'est des poches, c'est mes harlequins eux-mêmes, comme je dis toujours, donc non, il n'y a pas de dessin sur les numéros de page. Et donc, petite dédicace à Loïc, parce que ce bouquin était introuvable, et ça fait un moment, même avant que Dream Spinner ait ses problèmes, il était déjà introuvable, et moi je l'ai. Donc voilà. Donc si je t'ai compté, on est à la question 22, 23, 24. C'est ça, il y a deux papiers. Donc a priori, on est à la question 22. Et donc, les coordonnées ont été communiquées par, je ne sais pas prononcer ton pseudo, Xia Feng Qingbu. Mes chats sont en train de s'éclater, je ne raconte pas. Bref, j'essaierai de vous mettre vraiment les noms des gens là, parce que je les prononce super mal. Il s'agit des références 8, 34 et 8, je crois que c'est l'étagère du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de 55 à 79, ça fait 24. Ah, ça va être encore un manga. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Pardon, je vous mets dans mon sens. Celui-ci. Donc, sans regarder, est-ce que les chapitres, les têtes de chapitres ont des dessins ou pas? Eh ben oui, il s'agit d'un dessin d'un manga. Il y a des dessins sur les titres. Eh ben non, il n'y en a pas. Hé hey, ça doit être le seul manga où il n'y a pas. En fait, il y a juste... Nul. Donc bah non, il n'y a pas. Je me suis fait avoir parce que je pensais qu'il y aurait. Donc c'est encore une nuit blanche de Kotetsuko Yamamoto, c'est le tome 1. Il faut que je l'achète les autres parce qu'ils sont vraiment sympas. Donc les têtes de chapitre sont vraiment simples sur ce manga là par rapport à d'autres mangas. Donc, voilà. Coordonnées suivantes. Et je suis en train de vérifier. Il va en manquer un. Hein. Donc bon, bref, j'ai encore des coordonnées, heureusement, parce que je sais pas ce que j'ai foutu. Coordonnées données par Britine, et c'est pareil, tu dis Britine ou Britain? D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises comment tu prononces ton pseudo, parce que je ne sais pas. Donc Britine 71, 4, 22, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pardon. William. Cette étagère est vachement serrée. Alors, sans regarder, est-ce que les remerciements sont au début ou à la fin? À la fin. Je dirais à la fin. Et ben, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a au début, là? Il n'y a pas de remerciements. Ça, c'est fait. Il s'agit de All Lessons Learned de Charlie Cochran. C'est le tome, je ne sais plus combien, de la série Cambridge Fellow Mystery que j'adore. Et du coup, il n'y a pas de remerciements. Donc, il y a une dédicace au début, mais il n'y a pas de remerciements. C'était un piège. C'était un piège. Avant dernière question, vu qu'il m'en reste deux. Les coordonnées ont été données par Sony Gary, c'est 336. 1, 2, 3, c'est un MXM. 1, 2, 3, enfin, je ne sais plus s'il y en a 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 33, 34, 35, 36. Oh, mais le mixeur, il y en a 36 large, ça continue. Ah non, j'avais dit que je prenais en dessous. 36, donc c'est celui-là. Je me fais avoir. Alors, il s'agit de Patriote d'Amélie. Sans regarder en quelle année ce livre a été publié. Je dirais 2017. 2016. 2016, voilà. Je pensais que c'était moins vieux que ça. Donc, Patriote, c'est 2016 d'Amélie. C'est Amélie toute seule. Donc, voilà. J'étais pas non, c'est 2016. Je suis bourrée. Dernière question, du coup. Comme j'avais des coordonnées en rab, hein, vu que j'ai enlevé trois questions, je vais prendre. Mais à l'étagère 4, on n'a pas beaucoup fait. L'étagère 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si, je l'ai fait plein de fois, la 4. La 12 ? 14, 15, 13. La 12, c'est les Sloane Kennedy. 12, 28 ou 2, 35. 2, 35, comme ça, on risque de tomber sur les MXM, je pense. On va faire 2, 35. Donc, 2, 35, pardon. Ça m'a été donné par Anne-Laure, donc une de mes collègues. On y va tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 35, 36, 37. Non, 35. 35. 35, pas 37. 2, 35. Sans regarder, en quelle année as-tu lu ce livre? Lu ce livre. Il s'agit de Par-delà l'océan de Kara Andrews. Et je l'ai lu en 2017. J'ai un truc avec 2017, hein. Avril 2017, wouhou. Bon, c'est bon, je l'ai lu en avril 2017, donc voilà, c'est bon, au moins je savais, et je sais pas pourquoi 2017, mais avril 2017. Voilà, ce tag est maintenant terminé. J'ai trouvé vraiment sympa, parce qu'au lieu de vous parler des bouquins, et comme je me rappelle pas toujours de quoi ils parlent, parce que c'est longtemps que je les ai lus, je trouvais que c'était une façon sympa de vous montrer quelques livres de ma bibliothèque, même si je vous ai pas du tout parlé des histoires. Si vous avez des questions sur certains livres que j'ai lus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous donnerai mon avis. Je vais aller monter cette vidéo, prendre une douche parce que j'en peux plus, j'ai chaud. Et enfin ces vidéos parce qu'il y en a deux, et vous mettre ça en ligne très prochainement. Donc j'espère que ces vidéos vous ont plu, j'espère que le sujet vous a intéressé, que vous avez trouvé ça sympa. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ce tag et sur celui d'avant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!